De retour sur le plateau de la TV Service, et oui, votre quotidienne, encore une fois, on rabâche. On aime rabâcher. Midi et demi, 17h, 23h, on vous dit tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et forcément, là, c'est la période du carnaval. Et oui, des groupes, des masses. Et forcément, quand on dit masse, on dit Akio. Et oui, ils sont de retour sur le plateau, du moins, il est de retour sur le plateau pour vous parler d'un événement qui aura lieu vendredi 7. Je reçois Monsieur Ronnie Kelly. Bienvenue sur le plateau. Re-bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Bien installé, toujours? Nous bien, c'est pas du bon problème. Ben voilà, avant de parler justement de l'événement du 7, et oui, vous serez obligé de rester connecté, on va un petit peu parler de ce début de carnaval. Comment ça se passe au niveau d'Akio? Est-ce que tous les dimanches sont toujours blindés? Est-ce que le public répond présent? Est-ce que la chaleur est là? Dis-nous tout. Ben, tout le but est passé bien pour le moment. Hein. Nous, déjà, cinquième dimanche à nous. Nous, toujours blindés en la rue là, mouvement la cafette, musique là, bon. D'habitude, hein, faut tenir des petits moments d'adaptation, mais là, musique là, bon, c'est mon content, nous avons passé des belles petits moments de masse, ça va continuer, nous allons rentrer dans la période qui vient pire, puisque les jours vont arriver, mais tout bien pour le moment. Alors, rapidement, si on fait un flashback, un petit débrief, quels sont les matchs justement que vous avez déjà sortis, je dirais? Ben, nous sortis, comme d'habitude, premier dimanche en kaki casque colonial. Après ça, nous font un petit rappel de l'année passée. Nous sortis en thème, c'était problème en nous. Donc, nous sortis, il y avait déjà Sargas, il y avait déjà de l'eau, il y avait déjà violence. Okay. Après ça, le dimanche d'après, nous sortis en constitution. Ouais, pour parler de constitution Guadeloupe, de PEP Guadeloupe. Et après ça, nous sortis en WIDA. C'était thème à Préka qui était à Yobénin. Nous avons construit un mur. C'est-à-dire que c'est mon atévine. Après ces joyaux au Bénin, ils ont vini, ils ont dit nous que ouais, que ils voient ces petits mouna en situation difficile en bas là. Ouais. Donc avec le conseil d'administration, nous avons décidé de faire un mur, bah, parce que tenir un mur qui était écrasé. Avec quelques entreprises Guadeloupe nous viennent et nous ben, on parle pour nous payer aussi acheter table, chaises. Et puis acheter Kinoa sa manuel pour ces timons là. Et il fait inauguration là le 16 janvier. Et nous, nous faisons la rue là le 19 janvier. Nous déboulons, nous sommes en Ouida. Massa Congo, tout le bitin, ça t'est belle, ça t'est belle. Joli, voilà, ben juste à côté, voilà, vous voyez déjà un petit peu. Et eh puis, oui, on vous rappelle. Ouais. Et puis dimanche passé, c'était on constime que c'est adhérent là qu'a fait, puisque chaque année, nous, c'est adhérent là, on parole, on place, on dit dans ces linges-là. Et là, c'est le thème de la corruption. Et nous passons en belle masse aussi. Donc jusqu'à présent, tout le bitin là qu'a fait belle, tout le bitin là qu'a fait propre. Et nous espérons que ça continue comme ça. Ça belle. Justement, si on veut adhérer à Akio, comment fait-on? Petit rappel. Ben, on y pise des solutions. C'est venir voir nous un local là, déjà, par les permanences. Nous avons annoncé ces permanences-là sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux à mouvement là. Et puis, on y a aussi la possibilité de prendre en ligne hein, sur un site qui c'est Eloasso. Nous y a une plateforme directe. Donc, vous avez ces plateformes-là, vous avez rempli ces informations-là. Et puis, vous avez venir adhérer à un mouvement qui le tire à Akio. Après ça, vous avez venir chercher Qatar en local là. Pas venir nous voir nous parce que nous aimons le contact, hein, nous font bitin si les réseaux si en ligne, mais nous aussi aimons le contact, nous aimons que c'est mon avis nous voir nous, venir dans le local là, yo, kita yo, parce que le local là, c'est le local là, le peuple. Donc on va venir dans le local là et puis nous va passer un petit moment ensemble, on va venir avant débouler, on va venir les répétitions, on va venir là, de toute façon, ces jours-là, ça, nous en local là tous les jours. Ah, ben, voilà, ils aiment le contact. Donc n'hésitez pas, vous sortez, vous allez les voir tant qu'à faire. Et puis adhérer, ça ne mange pas de pain, forcément. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai vu que vous avez sorti quelques règles. Les règles pour faire un bon masse avec Akio. On ne va pas toutes les énumérer, mais est-ce que tu peux dire les plus importantes? De toute façon, ça s'affiche à l'écran tout à l'heure. Bon, ben déjà, enfin, premièrement, oui, c'est pour adhésion, hein, parce que c'est pour sécurité. C'est mon là, surtout par rapport à l'assurance-là. Fin linge là, respecter, machin, masse là, marcher, amassa, c'est nouveau, il n'y a pas qu'à y. Donc c'est marcher, et puis machin tempo, vine en répétition pour les musiciens, et après c'est respecter nous tous ensemble, c'est-à-dire okay. Qu'ils sont une grande famille. Okay. Donc, bah, pas parce qu'on ne connaît pas tout le monde, qu'il n'y a pas une famille, à partir du moment où nous amassons ensemble, nous sommes seule grande famille, et nous avons déboulé. À donc résistance culturelle dans la rue là pour nous faire et puis pour nous charrier toutes ces mounes là qui alentour à nous là. Et justement dimanche, quel sera le masque de dimanche? Oh dimanche, alors dimanche le thème là c'est chlordécone. Ok. Donc nous allons sortir en feuille à bonhomme. Choli. Mais c'est en feuille à bonhomme que nous allons visiter
à ce pas d'avoir Kenny, des traces de petits noix blancs, si collants. Blanc là, c'est pour Chlordécone. Noël là, c'est pour l'amour parce que Chlordécone a choué nous. Et puis, donc, c'est fait à bonne sèche. Et puis, nous, on coiffe des faits à bonne vête, justement. Et puis, voilà. Et puis, nous, on déboule dans la rue là, dimanche, nous, on direction Zabim. Et ça quand même pas assez belle. Eh mais il faut être manuel pour faire tout ça. C'est-à-dire qu'il essaie de faire un costume avec des fêtes. Oui, mais c'est compliqué. Ça prend combien de temps? Prenez combien de temps pour faire un costume comme ça? Après, ça dépend de dextérité de chaque monde. Voilà, c'est ça. Dextérité, expérience, ça. Mais ça dépend de chaque monde. Après, ni des mounes, il y a qu'à sembler pour faire costume à yo, pour faire linge à yo. Et il y a pas rendu compte que ça va vite. Parce que pendant que tu as coupé, l'autre là scotché, pendant que tu as scotché, l'autre là marré. Et ainsi de suite. Et c'est ça aussi, ça va créer de la convivialité. Voilà. En fait. Et donc, c'est, voilà, c'est, tout est une question d'organisation. Depuis organisé, les gens ont fait vite. On connaît des gens qui ont fait les gens le dimanche matin avant de venir courir. Sérieux? Oui, ni des gens, c'est comme ça, ça y est. Okay. Madame qui est, c'est comme ça, ça y est. Alors, madame qui est, si on a envie de venir courir, on a toujours une solution pour venir courir. Ah, obligé. Toujours, toujours. Ben voilà, on va passer au vif du sujet maintenant, parce que tu n'es pas venu pour rien. Oui. Qu'est-ce que Akio nous réserve pour vendredi soir? Ben, comme chaque année en période d'Amas, nous avons les roses. Et vendredi 7 février, en local à nous, Chauvel, nous avons un bel grand les roses avec tout le monde. Et donc, nous avons invité tout le monde. Et on les roses, ça gratuit. Hein. Ok, voilà l'important. À nous répéter. C'est gratuit. Hey, c'est gratuit. Et c'est où déjà, rappel? En local, là, Chauvel. En local, dans le local, Chauvel, gratuit. Oui, donc, nous avons la cour en nous. Okay. Nous avons préparé ça bel et propre. Nous avons fait une belle scène. Nous avons fait un bel petit bitin pour nous s'ouvrir tout le monde. Pour nous bailler un bel son. Et pour nous bailler une belle musique à Goka pendant toute soirée là. Donc les roses qui ignorent les prix commencer. Ouais. On va commencer côté 21h 22h. Mais pas gêné les bruits fini. Voilà, c'est ça qui est belle. Oui. Mais faut pas, mais en même temps faut pas trop leur dire ça sinon ils vont venir à minuit. Tu connais déjà? Non, mais parce que faut pas rater rien. Faut okay. Pas rater rien. Les roses qui nous va faire de quoi pour mon restaurer, boire, manger tout le temps. Et puis nous que là et nous que passons un bel petit moment avec tous ces tambouriers là, avec tous les chanteurs, avec tous les membres à mouvement qu'il tire là qui eux. Et puis nous ensemble nous rapportons un bel coup de main, ni ces madames là à la cuisine qui a fait manger, ni les autres qui a aidé ramasser, chailler poubelle, chailler bitin, chailler table. Et puis ces musiciens là qui avaient un bel coup de musique, ces tambouriers là qui avaient un bel coup de tambour, ces chanteurs là qui avaient une belle chanson. Joli. Et nous passons un bel petit moment à dans qu'il tient nous quitte en nous. Et le, je suppose, est-ce qu'il y aura d'autres? Parce que le carnaval est très court, et je suppose que, bon, voilà, on est déjà au mois de février. Est-ce que tu penses qu'il y aura un autre Les Roses avant la fin du carnaval? Non, c'est chaque année, nous avons fait on Les Roses. Un seul. Et pourquoi un seul? Nous avons fait on Les Roses pas en période d'Amas. Voilà. Donc, mais pourquoi un seul, justement? Et parce que déjà, on Les Roses, c'est on le travail. Hein. C'est on le travail, c'est-à-dire que depuis jeudi là, c'est madame là, j'ai là, ben, c'est Yoja là, Yoja qui travaille, Yoja, ça fait une semaine, nous avons travaillé ces Les Roses là. Et donc c'est une organisation et puis vous savez donc nous avons fait masse, ouais. Nous avons fait les roses, nous ne pouvons pas faire tout le butin parce que bon le mouvement là c'est on le monde mais c'est aussi très peu de monde qui travaille au quotidien, ouais. Et ça a demandé que vous mettez la main à la pâte, ça a demandé temps surtout et donc si nous voulons faire parce que butin nous c'est fait masse, ouais. Donc si nous voulons faire aussi masse en nous. Chaque année, nous avons fait en période d'Amas, nous avons fait on les roses parce que ça qu'il tient à nous, c'est bitan. Et le repas sera payé? Oui, oui, bien sûr. On ne sait jamais, il faut préciser. On a dit au début que c'était gratuit, ils vont venir. Mais comment ça? Sont bitan qui est gratuit, on les roses sont bitan qui est gratuit. Ouais, mais le repas, attention, il ne faut pas mélanger les deux. C'est mon avis, un petit mot dans la poche. Aïe, quand même. Oui, parce qu'il faut payer les matières premières, les bitans, les ceci, les cela. Je sais qu'on n'est pas au restaurant, mais qu'est-ce qu'il y aura à manger? Est-ce que tu as déjà le menu? On sait que c'est madame a parlé de faire une soupe à Congo. On peut parler de faire de soupe à Congo, qu'il y ait viande, qu'il y ait poisson, qu'il y ait tout de bitan. Non, nous avons c'est madame là, c'est des morceaux faits et il y a un menu pour satisfaire tout le monde. Donc, qu'il y ait tout ça qu'il faut. Donc on envoie la force vraiment parce que là aussi c'est beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches pour vous. Alors n'hésitez pas, sortez vendredi soir, vous allez local, Chauvel, Akio, Les Roses, ambiance, carnaval, c'est ça nous aimer. Justement, revenons au masque, vous êtes à combien de musiciens dans le groupe? Pour Akio, c'est un lot de musiciens. Nous croyons que nous aux alentours de 150-140 musiciens. 150-140 musiciens, ouais, c'est fou près. Ça. À peu près, oui, parce que nous ne pouvons pas tout recenser. Et vous répétez combien de fois par semaine? Alors, en période à masse, nous avons commencé à répéter avant masse, ouais. Depuis
premier samedi après la Toussaint. Donc c'est toujours comme ça. Okay. Nous avons commencé à répéter. Et nous avons répété les samedis à partir de 19h et le mercredi à partir de 20h. Donc okay. Nous avons mis des répétitions en période à masse. Et après, voilà. Donc c'est les gens qui veulent apprendre à jouer, qui veulent jouer, il faut y venir répéter. Il faut venir devant nous à l'Ocala, pas ni problème. Mais est-ce que vous refoulez? Vous refoulez quand même à 140, 150 musiciens. Au bout d'un moment, vous dites, moi, mais ça on n'a pas de place. Ça part de politique à qui. D'accord, ah, ça c'est pas, vrai. Ça part de c'est politique bien, à qui on devrait fouler le monde. Après, par contre, au bout d'un moment, si quoi pas bon. Ah, il aurait dit qu'on est nul. Vous devez vous-même à vous sentir que quoi pas bon. Donc, frangin. Ouais. Mais politique à qui, c'est la transmission. Nous l'avons pu transmettre. Donc tout ça il envie vivre, tout ça il envie apprendre, tout ça qui a senti que quoi il est bon, faut y vivre parce que bon après vous pouvez jouer, après faut marcher, après faut jouer marcher. Exactement. Et c'est débitant qui pas forcément évident pour tout le monde jouer marcher en tempo tout bitin. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine hein, qu'on sait bouger qu'a dit. Nous pouvons apprendre tous les jours, même les boucs qu'il a depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va continuer à apprendre. En change, en jouer là, en marcher là, en tout bit là. Et c'est ça qui a fait que, voilà, ni les plus anciens, qui ont mélangé avec les plus jeunes, qui ont mélangé avec les nouveaux, ni les gens qui ont 10 ans, qui apprennent des petits jeunes à côté à eux pour former eux. Et c'est ça qui a fait transmission à qui pour que là, qui ont 40 années, et après ça, pour qui ont 84, 90, 110, 150. Nous payons encore pour faire ça. Mais hey, qui sait, on ne sait jamais. Mais faut peut-être qu'on sera là. Ouais. Surtout vous, l'autre qui est là toujours. Ouais, peut-être qu'on espère pour quand qui peut voir ça, quand qui peut voir 80 ans, qui peut voir tout ça. Parce que c'est important en fait que transmission l'a faite pour que le mouvement l'a resté et pour surtout que qu'il t'y la transmette. Et justement, mais voilà, parce que je rebondis sur ça, est-ce que vous êtes conscient à Kiyo quand même que vous intéressez les jeunes, vous les rapprochez de leur culture, qu'il y a une grosse transmission, et ça c'est grâce à vous aussi, vous qui me faites le travail aussi sur Bastère, mais c'est vrai que les masses, vous faites un travail surtout sur la culture, l'histoire, est-ce que vous réalisez tout le travail que vous faites près de nos jeunes? Ben, c'est la règle à nous, hein. C'est but à Kiyo, c'est pour ça que nous là, c'est-à-dire que à Kiyo, créé dans les années 70, en 1978, par rapport à une revendication que le carnaval pas été ensemble nous. Après ça, le mouvement-là gonflé, et le mouvement-là, il est vincé, il est aujourd'hui là. Nous savons que aujourd'hui là, nous avons représenté le peuple Guadeloupe, nous savons que nous l'avons poussé, et nous conscients de ça. Et nous savons aussi que aujourd'hui là, nous avons une transmission à faire pour les plus jeunes, pour les gens qui viennent derrière, pour que voilà, moi, on va parler de ça, on va voir que de plus en plus de jeunes intéressés à tambour, ça qui les nous t'es plus jeunes, parce que faut pas oublier nous, ni même l'âge. Et d'ailleurs, j'ai des cheveux blancs aussi. Les nous t'es plus jeunes, nous savent très bien que, pas t'es ni au loup, jeunes t'es qu'à jouer tambour. Exact. Et là, on va voir qu'elle est là, aujourd'hui là, nous avons des petits bourgas 5-10 ans, qui ont dit qu'ils prennent cours de gourka, ils habitent, ils ont ceci, ils ont cela. Donc, c'est vrai que. Oui, c'est là que a qui réussit transmission. Ah, parce qu'à l'époque, nous, on t'a dit qu'à jouer Goka, on t'a dit qu'on est délinquant. Exactement. On c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, c'est là qu'a qui a fait travail de transmission, qu'a fait travail culturel, de transmettre à ces jeunes-là, à la jeunesse. Alors, c'est vrai que dès là, Yoka vient au départ pour amuser, hein. Ouais. Parce que Yoka vient aussi pour ça. Mais, travail en nous, c'est qu'à dans l'amusement là, ça, il y a une transmission culturelle à faire. Et je dis là, c'est la règle en nous, c'est de transmettre aussi bien Tambou-Mas, c'est de transmettre aussi bien que Gourka, les Roses, toutes ces bidons là, ça qui fait partie des cultures en nous. Et c'est dans la règle là, ça que nous y est. C'est-à-dire que dimanche là, ni Mas, mais avant dimanche, nous avons les Roses en nous vendredi, nous avons passé un petit moment de partage avec tout le monde. Et nous avons de plus en plus de jeunes femmes qui viennent danser, qui viennent apprendre Goka, ces bougas qui ont monté si Goka, ni des femmes aussi qui ont joué Goka. Et c'est là que nous comptons, c'est là que nous rendons compte que nous atteignons et que nous atteignons le but là. La transmission pour que Kilti nous rayonne de tous côtés.
Joli, voilà. Oh là là, comment conclure cette interview? En tout cas, si on veut vous suivre, franchement, là, on peut rien ajouter après ça. T'as tout dit. C'est pour ça que je l'invite, parce qu'il parle bien. Si on veut vous suivre, encore une fois, et surtout se tenir au courant, même si je rappelle que Akio aime le contact. Donc, si vous voulez savoir quelle masse, eh oui, il faut aller au local, le mardi, je crois. Réunion. Il y a réunion. Est-ce que je suis l'émission que je présente. Donc, si on veut se connecter quand même pour avoir de vos news, est-ce que vous avez Facebook, Instagram? Bien évidemment, nous avons Facebook qui c'est Akio Metamanioc, ouais. Nous avons Instagram qui c'est Akio Bois d'Africa, nous avons adresse mail qui c'est akio0352orange.fr et puis nous avons téléphone portable, ligne directe à Akio 06 90 15 75 04. Le message est passé, en tout cas, on vous donne rendez-vous vendredi 7, eh oui, au local de Chauvel avec Akio Celewoz. Ça commence à une certaine heure, ça se finit à pas d'heure. Voilà. Et en tout cas, merci d'être passé. Dès qu'il y a une news, encore une fois, hey, tu m'appelles, tu pas passes, problème, interview. Pas du bon problème. Merci à vous de recevoir nous, nos deux mouvements culturels Akio, et puis encore une fois, nous allons attendre tout le monde vendredi en local là pour nous passer un bel petit moment. En tout cas, big up pour le taf. On va en profiter aussi pour saluer Yarma. Et oui, pour les images forcément de toute beauté. Karata, je vous rappelle que c'est tous les dimanches. Suivez-les sur internet si vous avez le net. C'est vraiment un gros travail. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, les crins qui m'habillent de la tête aux pieds. Regardez-moi ce petit blouson. Et oui, il faut descendre à Basse-Terre. Et puis, si vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser, direction Le Moule, Net Blanchisserie Pressing. Nous, on se dit bien entendu à demain, à vendredi, à demain pour un nouveau numéro de ETV Service sur ETV. À demain.